Je veux prendre mes responsabilités d'homme politique, mû par le devoir sacré de rendre à mon pays tout ce qu'il m'a donné. Je déclare devant vous que je suis candidat à la présidence de la République et je place ma candidature sous le signe de l'audace et du renouveau. Oui, le Congo peut réussir. Le renouveau est la victoire sur notre souffrance. Élection présidentielle de 2021, Dave Mafoula sera dans la compétition. Il a annoncé sa candidature à ce scrutin ce 7 juillet à Brazzaville devant la presse nationale et internationale. Après avoir rendu hommage au président Yombi Opangol et au général Jean-Marie Michel Mokoko, Ephrem Dave Mafoula dresse le bilan chaotique du pouvoir. Le constat d'échec, ce n'est pas moi seul qui le fais. Chacun peut le faire en regardant sa propre vie, celle de sa famille et de ses proches, la situation de notre école, de notre santé, de notre sécurité en sont les témoignages palpables. Pour Dave Mafoula, il est plus que temps pour lui de servir le peuple congolais avec une nouvelle vision, un nouveau visage et un nouveau leadership. Sa candidature, qui est le fruit d'une réflexion mûrement nourrie, est placée sous le signe de l'audace et du renouveau. Ma candidature est loin d'être une fantaisie, mais bien au contraire, c'est l'aboutissement d'une réflexion mûre, nourrie des échanges que j'ai eus en allant à votre rencontre sur le terrain ces 5 dernières années, nourrie également par l'ambition noble de consacrer la fraîcheur de mes idées et de mon énergie au service de mon pays. La candidature de Dave Mafoula est rendue officielle après celle de Parfait Kolela, Anatoly Bombongoka, tous de l'opposition.